Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo invocation sur Fairy Tail Fierce Fight sur le portail de Jellal. Maintenant, je crois bien qu'il est sorti juste aujourd'hui, il y a environ 1 heure. Et on va voir si on va être chanceux. Alors, on a une pitié. Un peu plus d'une pitié. On va voir si on va le drop. On ne doit pas, mais tant pis, c'est pas grave, hein. On va économiser pour Midnight et après petit à petit on sera tranquille. On commence avec du coup la petite single gratuite. Ok, forcément je drop rien. Après, on va aller sur l'invocation des items, je drop rien aussi, c'est pas grave. Et après, on va démarrer de là. Let's go. Dommage, premier multi, je drop rien. Ok, on enchaîne. Ok, on drop rien là-dessus non plus. Ça va être un peu chaud. Toujours rien, troisième multi. On peut skip. Pas l'animation que l'on veut. Ah là, je drop. Est-ce que c'est ça sera lui? Ok. Let's go, je les drop. Ok. Pas mal. En soi, il me reste une petite multi. Deux petites multi en vrai. On a ça à faire après. On connaît déjà le gameplay et tout. Ce que l'on nous on veut. Ce sera ça. Acheter ça. Et on va partir utiliser ces deux petits objets. Eh ben, impeccable. En espérant que je drop le bon truc. Oh là 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 là, réussir. Le bon perso, mais bon. C'est pas grave. On fera un doublon sur le perso. Hein. Ok. Ah, c'est dommage, je ne drop rien. Après, petit Windy, petit support, ça soigne. Ok. C'est dommage. Pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et après, on va justement garder pour Midnight à partir de maintenant. On verra si on sera chanceux avec lui. Sur ce, on va partir sur le test. Personnage. On va le up tranquillement. Et là, désolé, comme vous l'entendez à ma voix, je suis un peu malade. Et comme vous le voyez, le perso est de type lumière et de type dark. J'ai pas assez de pare-chaud. Par contre, c'est vraiment dommage ce système. Ce système-là, là, détruit le fait qu'il faut avoir deux ou drop deux persos derrière pour le pour justement débloquer l'ultime.
qu'on va juste l'arrêter au niveau 10. Comme ça sera pas trop long. Et là, c'est parti pour le test. Let's go. Ça demande un peu de temps, excusez-moi, mais c'est important. Bon, j'ai pas beaucoup de trucs. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. De cellules, de. D'éthanum ou je sais pas quoi. On appelle ça d'éternum. Oh, il y a un nouvel event. Et bon, on s'en fout. Bon, on découvrira ça une prochaine fois. Il y a deux nouveaux events, ok, c'est pas mal. Et du coup, on va partir ça. On va partir tester ça en PVP. On va voir s'il y a eu un peu de changement sur les persos. PVP, PVE. Et là, du coup, on va bouger elle et on va mettre lui. C'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça. Il a quand même reçu vraiment un énorme nerf. Hein. Ouais, il a vraiment reçu un nerf. Hein. Il est devenu mid de ouf. Hein. À contrario, où Ikaruga, elle est vraiment très, 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 très forte. Hein. Elle n'a pas changé. Bon, côté PvE, on l'a testé. On sait à quoi. S'attendre. Bon, maintenant, on va partir en PVP. Et c'est vraiment dommage. Ah, le PVP n'est pas disponible. C'est pas grave. C'est pas grave. Ben, on va continuer à le tester ici. Niveau combien? 31. Ouais, j'en suis loin. On récupère tout ça. C'est vraiment dommage par contre. Ok. C'est ma mode auto, on va voir s'il va gérer. Par contre, tout à l'heure j'ai fait zéro dégâts.
Là, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Ouais, là, je one shot. On bascule rapidement sur ça. On bascule sur elle. Par contre, le cooldown de ses sorts, c'est atroce, hein. C'est vraiment atroce. C'est vraiment atroce ce qu'il vient de faire. On a compris qu'il était fort à la bêta. Mais le nerf autant et que le cooldown des sorts soit aussi élevé. C'est abusé. C'est abusé. On va le tester un peu sur. Justement sur. Au niveau à lui. Ici, enfin, son niveau plutôt, ouais, c'est ça, son stage, son niveau, on verra ce que ça donne. Sur les différents mobs et tout, ça nous permet un peu, ça va nous permettre un peu d'analyser le perso. En vrai, ça va. Et pourquoi tout à l'heure, j'ai fait zéro, c'est ça le problème, c'est que tout à l'heure, j'ai fait zéro dégâts. Par contre, il est vraiment devenu lent sur ses auto-attaques. Là, on joue en mode auto, mais ça nous permet d'analyser plus proprement le personnage. Et le cooldown de ses sorts font vraiment parler. Ok, c'est bon, ils ont pas, au moins ils ont pas nerf les buffs. Ouais, c'est dommage. Je suis même pas encore arrivé au boss. Hein. Ouais, ce niveau, je le passe pas. Ah, c'est une horreur par contre. Hein. Ils ont vraiment fait un truc. Ils ont vraiment fait un truc débile là sur le perso. Ok. Après, il y a ça à faire. Ça. Ok. Ok. Bon, voilà, ce sera tout pour le perso. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.